Ah merde, il n'y avait pas de son, putain, merde, je suis con. Ah, dommage. Hein. Au moins, c'est bien, vous savez pas. Il vous troll, hein. Le son. Merde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais voir, envoyer, je vais envoyer des messages s'il y a des mecs. Répertoire. Je vais demander s'il est en ville. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Marc Danton, c'est qui est un des indics des flics. C'était celui qui nous avait trollé, entre guillemets, qui nous avait suivi avec les mêmes vêtements que nous. Et lui, en fait, Marc Danton, il a une dent contre lui, tu vois. Parce qu'en plus, hier. Ah, je te rejoins. Ok. Garage à cause des Comic-Con. Nice, c'est cool. Et donc lui, hier soir, je l'ai un peu victimisé en... Coincé dans une grotte, Luc Dedou. Le mec, il est perdu. Et non, en fait, le mec, elle indique, je le victimise, mais je veux pas sa mort RP. Donc, entre guillemets. Je veux juste jouer avec lui, tu vois. Genre, lui faire peur, tu vois. Lui faire peur, lui dire qui on est. Voilà, genre... Voilà, tu vois, parce qu'en plus, je l'ai moi-même suivi... et j'avertis, tu vois, j'avertis qu'il veut la possibilité et tout. Je l'ai dit à Ackerman, tu vois, pour voir. Pas de son, toujours pas. Quoi, mais si vous êtes dans le son, si tu me racontes. Je vais mettre le son à fond en plus. Hop. Hello! Ooh, I wasn't expecting to hear from you. Ouais, enfin que j'explique à Mladen que je vais sûrement jouer double jeu. Ah non, je suis pas un indique, hein. Je suis pas du tout un indique, mais je vais jouer double jeu. Ah, je suis dans l'illégal, là. Je suis dans l'illégal, mais intelligemment, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des flics que j'aime bien et que je vais laisser tranquille. D'autres trucs, en fait, c'est. Je fais ma petite vie avec le groupe, mais je ne vais pas faire chier les gens à part les mecs au sud ou au nord. Ah, ouais. Bah, le plus proche du Comico. Nord-ouest. Hein. Ah, pépé. Alors, mais je voulais être sur Feily. Alors, ce soir, je vous le dis, hein, je voulais être sur Feily. Je suis resté 4-5 heures sur la rocade. Donc, bon, à force, ça bougeait pas. J'ai laissé tomber. Faut être honnête avec soi-même. Au nord-ouest de le garage le plus proche du Comico. Il n'y a pas plus proche, hein. Je pense pas, hein. Ah, c'est cool.
Yo, salut les frères. Ça va la forme? Bien, bien, bien. Tu peux m'amener juste à une banque? Ouais. Juste à gauche. Et j'ai des On est à la banque là, à côté du commissariat. Viens, s'il te plaît. J'ai des petites nouvelles entre guillemets que je vous donnerai après. Retrait. Je lui dois combien? 60 000, non? Ça sent mieux, je vais dans parking en latte de la grande roue. Oui, dis-moi. Sors de là. Quoi? Non. Si, si, désolé. Sors de là. Je sais sors ce que tu vas faire. Regarde. Non. Si, si, sors de là. Non, c'est bon, arrête. C'est bon. Mais t'inquiète. T'inquiète. On verra plus tard. Allez, monte. Non, non, tu sais très bien. Je donne, mais on ne donne pas. Moi. Mais non, non, mais allez, moi aussi, c'est pareil. Non, mais attends, mais tu crois que ça va marcher comme ça? Pas problème. Non, c'est si, je te les donne. C'est juste. Rien du tout, t'inquiète. Je me suis fait bien même l'argent. Ouais, y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Pas alors, de temps entre nous, c'est bon. Pour information, on attend le doux pour que je donne tous les informations que j'ai. Vous êtes avec le doux? Oui, mais il va nous rejoindre. Le mieux c'est qu'on se réunisse parce que là, sinon c'est radio, c'est comme ouais, ouais, on va aller. Je l'ai donné rendez-vous à la grande roue là, tu sais, le parking. Ok. Ok, super. On se pose là-bas et puis. Je donne l'argent. Ouais. Non, j'ai pas le blanchisseur, hein, t'es ouf quoi. C'est déjà sur la 7, pourquoi? Non, non. Moi, je suis pas flic. Hein. Bon, j'ai la classe moi. Voilà, super. Il m'a dit qu'il était dans une grotte. Qu'est-ce que vous faites dans une grotte? Ouais, ouais, c'est normal. Et il est en train de chercher à droite à gauche, ce que tu sais. Donc, c'est ouais. La merde. Et quelqu'un l'a trouvé ou pas du tout? J'ai entendu dire que peut-être quelqu'un l'avait trouvé. Non, moi perso, j'ai toujours pas de nouvelles. À part des ondis, tu sais, j'ai rien sous la main. Attends, si t'as ça dans ta poche. Hein. Arrête tes conneries, putain. Oh là là. Allez, je te le devais celui-là. Allez. C'est quoi quoi? Ouais, on va dire ça. Ouais, donc tu sais que je pense que dans les flics, il y a des ripoux hein, dans l'histoire. D'accord. Alors attends, justement. Attends, Armando, je vais lui en parler. Je vais parler vite fait avec. J'attends Marc. Luke. J'attends okay. Luke. Ok, pas de problème. Pas de problème. Non, mais. Il comprend pas quoi dans on attend Luc. Je sais pas. Non mais parce que là. Attends, je suis mieux d'en parler. Oui mais c'est pas grave. Je veux juste savoir un truc, tu vois. D'accord, bon vas-y. Pas de problème, t'inquiète pas Armando. Dis-moi Marc. Ouais. J'ai une ou deux questions à te poser. Dis-moi. Apparemment hier il t'a vu avec des policiers tout ça. Tu ouais. Comprends que les autres ils sont un peu soucieux et soupçonneux de tes actions dans la ville là du coup. Ah oui, non, mais tu comprends de qui la police. Bah ouais, mais faudrait que tu tiennes au courant, tu vois. Je sais que bah, tu l'as tenu au courant, mais ouais, tu vois, parti ils pour, ont en fait. Mis le doute là. Ouais, mais j'étais parti pour en fait. Genre, j'étais venu pour vous attendre et en parler parce que j'ai pas pu trop en parler. Le doux, il était pas là hier, il y avait que lui. D'accord. Et bon, j'étais bah, venu écoute, pour on en va parler. Attendre en fait. Tout le monde ouais. Et. On va voir ça. Ouais, t'inquiète. Il était dans une grotte, le pauvre. Il était bloqué, il m'avait dit.
On pourrait faire de la bonne danse avec, hein. Ah oui, hier soir, je t'ai envoyé un message hier soir. Tu m'as pas répondu. Ah bon? T'as envoyé quoi comme message? Genre, bah, pour faire un truc ensemble. Ah ouais. Même pour que je te parle. J'étais peut-être plus en ville. Ah ouais? Ok. Ah ouais. Ouais, j'étais peut-être plus en ville. Ouais. Ah, je l'entends, je crois. Ah, je crois qu'il est un peu trop loin. Le vent il est direction nord-ouest. Moi je le vois partir là-bas le vent. Voilà, on se met dans une grotte là dedans. Oh ça va. Alors bon, pas fait exprès. Il y a des putains de Portugais qui sont venus construire un mur derrière moi. Ok. Bon, j'ai des petites informations importantes. Ouais. Il y a des ripoux dans la police. On va peut-être pouvoir travailler avec eux. Pour l'instant, je vais pas donner vos noms ou autre. Je m'occupe de ça pour pas que si par exemple je me trompe, c'est moi qui tombe tout seul. C'est Tic et Tac. Ouais. Tic et Tac. Moi, je le connais. Hoffman. Hoffman et enfin, c'est surtout Hoffman qui avec qui j'ai parlé. Et c'est lui qui est venu directement parler. Boulevard Hoffman. Boulevard Hoffman. Le mec Hoffman là, comment il s'appelle? Hein, il est sergent, je crois. Ackerman. Non, 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 Ackerman, non, non, Ackerman, il faut pas. Ackerman, il a l'air un peu trop. Ah, c'est qui alors? Hoffman, je connais pas de Hoffman. Hoffman, bah t'inquiète pas, je te présenterai, mais pas tout de suite. Donc, eux, ils sont du genre à vouloir être vraiment genre ripou, à pouvoir aider si possible, à donner des points et tout, des trucs comme ça. Pour l'instant, moi, j'ai rien dit. J'ai dit, bah pourquoi pas, ce serait intéressant, il faut que j'en parle. Et je veux pas que, si moi je me trompe par rapport aux ripoux qui trouvent et qui veulent m'attraper, c'est que c'est moi qui tombe. Justement, n'hésite pas, hésite pas à ne pas laisser semer le doute, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que je... Parce que là, le doute, là, le doute, là, je te dis, moi, je l'ai. Et à 2000. De quoi? Parce que t'es ancien flic. Je te vois hier soir avec les flics au commissariat. Après, je te vois à la banque. Tu patrouilles avec eux. Je te vois à l'armurerie. Tu vas acheter une arme avec eux. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un aller avec un flic. Et que le flic lui dit j'ai des infos comme ça sans connaître la personne, enfin c'est un truc de malade. Enfin, est-ce que tu nous trahis, enculé? Non, 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 mais attends, t'inquiète pas. Ouais. Non, non, mais je peux comprendre, je comprends, tu me connais pas, je comprends, tout à fait. Et... Bah, je me méfie. Ouais. Et t'as raison de te comprendre, c'est-à-dire que ça marche bien. C'est-à-dire que vu que j'ai un passé de policier ou autre, je peux jouer là-dessus. Vous rappelez le mec, comment il s'appelle le mec qui était habillé comme nous. Je crois que c'est Nako, je sais plus c'est quoi son nom. Bah lui, je l'ai mis dans un plateau, c'est-à-dire que lui, si vous voulez, c'est un indique. Je les ai mis sur un plateau. C'est ça, Nado? Ouais, Nado. Non, c'est pas Nado, non, 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 pas Nado, pas Nado. Non, non, le gars là qui était habillé comme nous, là, putain, on a braqué avec sa tête lisse, là. Par contre, moi, ton pote, hein, je suis désolé, je te dis ça, mais il te prend pour un con, ton pote. Qui? Le flic. Qui? Le flic. Pourquoi? Là, le flic. Bah, pour l'instant, il m'a dit ça. De quoi? Il te prend pour un con quand il te dit qu'ils ont tous les points. Non, non, ils ont pas dit qu'ils ont tous les points, ils ont dit qu'ils peuvent me donner des points. Ah, ben ouais, mais moi je te dis qu'il te prend pour un con. C'est quoi leur intérêt de nous donner des points en fait? C'est ça le problème? Premièrement, l'intérêt, je comprends pas. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il est en train de te la mettre à l'envers en se faisant passer pour un ripou pour choper des infos. Pourquoi? Tout simplement parce que l'informateur, on l'a. On a la coque, on a certains points. Et comment te dire? Un point de l'informateur va coûter 100 000 $. Et un flic n'a pas 100 000 $. Alors soit il y a un guichet rouge de ton côté. Soit il y a un guichet de l'autre côté. Mais dans tous les cas, un flic ne peut pas avoir un point. Mais non, mais ou alors il a un seul point. Mais c'est beaucoup déjà chez trop. Ils ont un indique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les policiers ont tous les points s'il y a un indique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi j'étais policier. Ah ouais, donc. J'ai pas besoin de. Moi, c'est les informations que. Et là, le truc qui est sûr à 100%, c'est que l'indique, je sais qui c'est. C'est celui qui nous a. Dis-toi que, je te le dis, hein, dis-toi que j'ai mis le mec sur un plateau, le mec qui nous a saoulé, qui était habillé comme nous, là, qui faisait trop le malin et tout. Après, hier, il s'est rhabillé comme moi hier. Ouais, je pense que c'est lui. Hein. Le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient au commissariat, ouais, j'ai balancé à dire qu'il m'a volé 90 000, tu vois, j'ai mytho, tu vois. Et ils y croient à fond. Qu'est-ce qui se passe? Je pars, je les suis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent un point chaud qui est la cannabis et je crois la cocaïne. Deux points chauds. Ça sent le traître. Alors, d'accord, j'ai que ça à faire de faire le traître. Non, je m'y fais. Mais bon, t'inquiète, mais. Moi, je Par contre, les gars, faut qu'on mette carte sur table. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. C'est pas genre dans deux minutes, c'est bizarre ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Non mais si vous me croyez pas, moi je m'en vais, y'a pas de soucis. Je veux pas qu'il y ait des tensions juste parce que non, ça, non, non, je sais pas... C'est pas ça, mais là, y a... si la personne contre, a la capuche moi, et l'achat, là, il y a quelque chose là qui m'énerve là. La seule chose que t'as rien à faire, Danton, c'est que pour le moment, Marc, on n'a pas besoin de ça, on en a rien à foutre des flics, tu vois. On a mais pas c'est besoin lui, d'être de c'est lui qui est venu vois. Voir moi, le flic. C'est pas mais, moi, ouais, mais, pour, mais dude, pourquoi il est venu te voir à toi et pourquoi truc? Je te dise, hier, il y a 8 personnes qui sont venues me voir pendant une soirée pour me dire, t'as pas des points, t'as pas de la drogue, t'as pas. Tu vois, tout le monde dans la ville, c'est des connards, c'est des crétins. Ouais, moi j'ai rien dit moi. Tous crétins dans la ville. Mais moi j'ai faut qu'on joué. Attention, faut qu'on ouais, soit je sais. Prudent. Mais moi je suis prudent parce que j'ai donné aucun nom, j'ai pas dit que je voulais, c'est lui juste qui me suivait. Moi je suivais juste son. Non, mais attends, son attends, attends. Moi je vais éclaircir un truc là. Le mec qui indique là, c'est le mec à la capuche? Ouais. Ah ben si c'est lui, je suis désolé là, les gars, mais là pour moi y a gros problème. Et je sais pas gros problème. Enfin voilà, là c'est gros problème, faut le dégager d'une. Mais attends, là, non. Dégager, de qui mais, c'est qui le mec à la capuche? L'autre enculé là, l'autre soir là, tu sais qui venait nous voir là. Ah, c'est un cabuté d'autant. Je fais partie de votre gang, je peux faire partie tu de votre gang. C'est lui. Ouais, c'est lui. Exactement lui. Tu te trouvais partout en ville tout le temps. Hein, si tu vois ce que je veux dire, qu'il savait exactement où on était chez toi en ville et pas. Et le mec, nous trouve, le mec, il arrive habillé comme nous directement à la revente là de. Comment ça s'appelle de minerai là. Et habillé comme nous, et ah, je peux faire partie de votre gang, il nous a dit. Moi y a Anguille sur roche de pour ouf ça là. Que c'est un indique. Oui mais sûr. Je sais c'est un lui, indique mais le truc c'est que. Dégagé. Ouais mais attends on le dégage pas maintenant, on peut le victimiser. Là depuis hier soir je le victimise, je l'ai détruit sa voiture, je l'ai détruit ses roues, genre je le suis à chaque fois et lui il est vraiment c'est ma victime, je le. Ah ouais. À tout va on le tue quoi. Moi je vais lui dire que sa gueule, ça va ouais, pas être d'accord. Les roues ni quoi que ce soit. Ouais mais je veux dire je on peut sa gueule, on moi. Peut l'utiliser, on peut l'utiliser et après quand on a plus besoin de lui, on le tue. On le balance dans un ravin. Ça c'est bien aussi, parce qu'on a les informations que ça l'indique. Donc sa mort. Mais lui il a quoi comme info? Attends, j'ai pas tout compris. Il a quoi comme info exactement lui? Qu'est-ce qu'il avait donné? Il a donné 2 points. Bah, tout ce qu'on a comme par hasard. Ouais, mais nous on a déjà des infos, on s'en fout, tu vois, on a pas besoin d'autres infos, on a déjà plein d'infos. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a l'information d'un indique, s'il nous fait chier, on peut le victimiser, tu vois. On peut tout mettre sur lui, à chaque fois. Ah non, mais là ça va être pistolet. Moi je suis désolé, là je suis catégorique. Là, oui, mais le truc c'est que s'il y a un problème, on peut tout balancer sur lui, c'est ça le truc. C'est ça qui est bien. D'accord, et si. Enfin. Moi j'ai plus l'impression que c'est nous qui avons à perdre que lui à gagner. Hein. Ah, mais non, on s'en fout, lui il a rien contre nous. Personne a rien contre nous. Ouais, enfin. Ouais, mais quelque part je comprends ce qu'il veut dire. Il serait peut-être temps que les gens comprennent que faut pas jouer comme ça, tu vois. Ok. Ouais, t'as les gens contrôlent les malins en ville et le jour où il va y avoir quelqu'un qui va tomber, là, ils vont commencer à se méfier, ils vont commencer à se dire ah ouais, c'est comme ça ici. Il a pas parce que moi là, y a quelque chose là qui me chiffonne là de fou là dans la tête et ça m'énerve beaucoup. Et là, la personne, je suis pas quelqu'un de dur et compagnie, mais là, j'ai envie de sortir le pistolet là. Et nous a pris pour toute une soirée. Il a réveillé comme nous. C'est vrai que lui, il nous a pris un peu pour un con. Hein. Et puis je me rappelle qu'il t'a mis un coup de batte dans la gueule. Hein. Ouais, bah je m'en rappelle pas, on me l'a dit. Dans la gueule. Ouais. Ouais, ouais. Sans déconner. Bah, de toute façon, là, je suis en train de lui faire des représailles. Ah, hier soir, je l'ai brûlé la voiture. Il a perdu sa voiture verte. Hein. Il était. Tu sais où il était? Il était avec quelqu'un. Alors, il m'a pas vu, ils m'ont pas vu. Hein. Il était avec quelqu'un. Il est monté. Je sais pas si tu te rappelles l'ancien endroit où tu. Ou dans une autre ville où tu faisais l'ecstasy. Je sais pas si tu vois le dos. Quand tu montes et tu montais sur des échafaudages et tout, dans des travaux. Ouais. Ils étaient là. Ils étaient tous les deux en haut. Je les ai vus en haut, ils m'ont pas vu et. La moto, la voiture, elle a. BOOM! Explosé. Y'a quoi là-haut? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Ils étaient là-haut donc. Y'a peut-être quelque chose. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est toi, y'a quelque chose là-haut. Ça se trouve, y'a rien. Comment il s'appelle ce mec là? Comment il s'appelle l'indique? Comment il s'appelle? Je crois que c'est Naro, Nako. T'as pas de nom Camus, t'as pas un je crois nom que c'est Camus, je crois que c'est peut-être Camus. C'est AMU, ouais, c'est Camus, je crois. Camus, ouais. Camus. Ouais, je me rappelle parce que c'est Camus. Non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui le connaît? Oui. Que tu sais, John est-ce White. Que tu l'as déjà vu avec quelqu'un? John White, c'est qui? C'est le flic, lui. Ouais. J'ai entendu ce nom déjà. Ouais, d'accord. J'ai un mais pote à Akuman, comme. Il y a expression qui dit on frappe toujours le violonneux de la vérité avec son propre hachet, c'est-à-dire que faut pas laisser couper l'herbe la racine, tu vois.
Quoi? J'avais rien compris. On dirait. Je rappelle la petite chinoise ouais. que j'ai. Oh, dans non, une non, autre ville. T'as trop traîné avec. T'as trop traîné avec Chang, j'en suis sûr. Non, tout ce que je peux dire, c'est que l'herbe, faut pas la laisser pousser, tu vois. Mauvaise okay. herbe, c'est coupé direct à la racine. Vous voulez qu'on s'en occupe et ce faut soir? Enlever terre. Non, moi j'ai envie de m'en occuper ce soir. Après le non, truc, c'est qu'il faut savoir compliqué de le qui c'est qui fréquente. Est-ce que vous avez déjà vu avec quelqu'un? Si oui, cette personne avec qui vous l'avez déjà vu. Et si vous l'avez déjà vu avec quelqu'un qui a un ami ou quoi que ce soit, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà se rapprocher de son ami, faire éventuellement petite amitié, entre guillemets, hein, fausse amitié, pour savoir du coup. Et moi aussi, non, je peux organiser une soirée, lui dire écoute, voilà, ce soir il y a une petite soirée à tel endroit. Et le mec, quand il arrive pendant la soirée, les gars, ben, vous vous esclipsez un peu. Ouais, ouais. Moi, je peux m'occuper d'organiser quelque chose. Et derrière, après. Le truc, c'est de trouver le mec. Moi, je propose qu'on fasse venir. Vous trouvez pas que l'important, c'est de trouver le wrestler? Ouais, bah oui. Hein. Enfin, le wrestler, tu veux dire. Alors, non, non, non. Non, 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 parce que j'ai l'impression enfin, que si on a le. Non, non, parce que moi, j'ai l'impression que là, si on a le wrestler. Il y a des yeux posés sur nous partout, là, j'ai l'impression. Et je commence à être parano, là. Ouais, mais après. J'ai l'impression que si on trouve le wrestler, et voilà. Mais après, tu sais, dans tous les cas, dans une semaine, tout disparaît, donc. Moi je préfère. Ouais, mais est-ce non, que les points échangent que... Tu vois, ça c'est l'argent, voilà. Ouais, mais les points. La question. Je pense que oui, non. Non. Ah bah je sais pas justement. Parce que le truc qu'on peut faire avec lui, c'est que faire un peu plus tard, quand tout est bon. Tu vois ce que je veux dire? Quand la ville est propre. Ah. Et on l'a propre. Ouais, non, parce que là. Qui frappe le ballon trouve le poteau, hein, mais qui vise la lucarne attache son but, hein. C'est joliment dit ça. C'est pour toi, Moudem. C'est Roberto Carlos qui a dit ça, hein. Non. Vas-y, peut-être. Bon, c'est qui on fait quoi du coup? C'est quoi le dernier parole là? Moi je pense qu'il faudrait se débarrasser de la personne déjà qui a fait ça. Je pense. Les poucaves et tout ça, moi c'est pas mon dada. Non, mais tu veux qu'on fasse quoi de lui? Cool. On peut pas jeter dans un rabat. Non, non, mais il y a une chose à faire pour éviter que. Pour éviter qu'il se revienne à la vie. C'est de le faire nager dans l'eau et de tirer une balle dans la tête. Je suis d'accord, mais tu penses vraiment qu'il va pas revenir à la vie? Mais il faut vraiment, non, mais il faut vraiment le faire plus tard, parce que qu'il revienne à la vie, hein. Ouais, mais le truc c'est qu'ils savent que ils savent, enfin les deux policiers là, Ackerman et John White, ils savent que je sais qu'il est indique. Donc si on le tue maintenant, il faut attendre quelques jours, je pense. Que ça se calme et plus tard qu'il fait plus de conneries. Sinon c'est moi qui va être cramé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vaut mieux attendre quelques jours, hein, au moins. Parce que sinon c'est moi qui tombe. C'est vrai que. Ils seront tous autour de moi quand. C'est vrai que ça va mettre les soupçons. S'il fait une ou deux conneries de plus, bim, il gicle. Comme ça moi c'est bon, je suis sauvé. Mais là, vu que les deux policiers savent que j'ai vu qu'ils étaient à l'hôpital. Faut attendre que le mec il se mette tout le monde à dos. Hein. Ouais, c'est ça. Les gens ils vont dire oh il est mort et bah on fait acte de mort et bye bye. Ouais, mais de toute façon il va vite se mettre tout le monde à dos vu comme il est con. Ouais. Je comprends. Après, j'ai pas l'impression qu'il ait peur des gens, lui. Après, tu sais, quand on l'avait braqué avec une arme, la dernière fois, il nous dit, les gars, c'est cool, vous avez des armes, mais je viens pour rejoindre votre gang, etc., etc. Ouais, c'est tout le monde dans la ville. 90% des gens dans la ville, c'est ça. C'est, vous êtes des bandits. Bah, attends, je veux être un bandit aussi. Hein. C'est encore hier, hein, on m'a dit, tu es russe. Oh, bah, tu dois avoir de la drogue. Tu vois, directement pendant une soirée où il y a au moins 15 personnes. Ah, regarde, Armando, il est portugais, pourtant il a pas de ciment, tu vois ce que je veux dire. Je suis brésilien, connard, c'est pour ça que j'ai pas de ciment. Sinon, je t'aurais fait fermer ta gueule avec du béton. C'est un peu pareil, excuse-moi, vous avez un peu la même langue, hein, même accent, tout ça, c'est un peu la même chose. Ah, je sens pas. Je comprends, mais il faut attendre quelques jours. C'est plus ça. Exactement, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais par contre, dans quelques jours, si on sait pas comment le trouver ou quoi que ce soit. Moi je m'organise et j'organise quelque chose, un événement ou quoi que ce soit. Ouais, mais t'inquiète, j'ai un moyen pour le trouver. Hein. John White peut peut-être m'aider ou au cas où je peux balancer à dire que je me fais attraper par lui et on le prend dans un coin. John White est devenu flic. Hein. Oui, c'est que je l'ai vu la dernière fois. Mais ouais, je l'ai vu la dernière fois, il est devenu flic, ce con de merde. Je sais pas ce qu'il est foutu flic, ça se trouve. J'ai pas exploré cette piste, mais ça se trouve, c'est devenu un ripou. Enfin, je sais pas, soit il est clean.
Mais il faut voir. Mais je sais pas confiance en John White ou c'est John White, le vrai John White. John White Sigarios, quoi. Tu rappelles les souvenirs, c'est ce que je veux dire, mon collègue. Ouais, c'est le vrai John White, celui que tu connais. Ouais, c'est lui. Il est parti de la ville. Il est parti de la ville en vrai. Tu fumais du cigare avant ? Je savais bien que tu fumais du cigare à moustache, j'en étais sûr. Des gros cigares, ça c'est ta cousine, ça. Donc je pense que John White, il faut qu'on voit, mais je pense que c'est un ripou, hein, vraiment. Ok, c'est bon, c'est ma cousine. Mais le problème, c'est que son binôme avec Herman, je pense pas que ce soit un ripou. Ça, il faut faire gaffe avec Herman. Bah attends, mais t'es sûr que c'est John White, Oui, c'est lui, c'est lui. J'ai des doutes là. C'est lui. Ah ouais, c'est lui, hein. C'est lui, il a écrit John White et tout. Ouais, c'est John White. Oui, il a écrit John White, ouais, c'est lui. C'est le même. Je l'ai reconnu, c'est lui, hein, à 100%. Il est parti de la ville. C'est vraiment lui. Et je pense que lui, voilà. Je pense que lui, il peut nous aider, hein, si il est ripou. Je pense que c'est un bon ripou. Il peut pas être policier, hein, vu comment il était, non, c'est sûr. Donc, sauf s'il y a un truc avec sa femme ou autre. Non, je pense que sa femme, pourquoi sa femme? Bon, je sais pas, mais tu sais, tu peux changer, un homme peut changer à cause d'une femme, c'est la seule solution. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi vous avez changé de place les deux, le portugais et toi? Bon, je sais pas, il s'est approché, j'ai peur de lui. Non, j'ai pas envie de m'approcher de toi. dans tous les cas, faut pas qu'on fasse pas forcément pour maintenant, parce que maintenant je pense que Marc a raison. C'est pas une idée, mais je pense qu'on devrait décider ensemble de certaines choses. Et moi, cette personne, je pense qu'il faudrait l'éliminer. Pas forcément maintenant, mais qu'il faudrait l'éliminer. Alors, si vous êtes d'accord avec moi. Ah, mais c'est clair, faut l'éliminer, ça, c'est hein. On est tous d'accord, on est tous d'accord. À main levée. À main levée. Vote à main levée. On est tous d'accord. Qui est OK pour. Ok, on est tous d'accord. Moi, je suis OK. Mais comme j'ai dit, faut laisser quelques jours se faire. Ouais. Et, on peut tout mettre ça en piéger. Voilà, on peut tout mettre sur lui. Dès qu'ils ont fait une connerie, c'est lui qui l'a fait. Et derrière, bah, la même chose, après on l'élimine plus tard, quoi. Ah, il faut qu'on connaisse son nom et son prénom. C'est Sam Camus, je crois, c'est sûr. T'inquiète pas, je vais le redonner. Son, Son, il a dit. Sam Canu. Sam, merde. Sam Canu. Surtout toi, Marc. Ouais. Pour le moment, on n'a pas besoin d'appui de police ou quoi que ce soit. Ah oui, t'inquiète, oui, je sais, Sam. C'est quelque chose, on verra, on en reparlera s'il faut. On va se trouver un endroit, un lieu où on pourra discuter, un peu comme dans la série là, avec bikers qui se mettent autour d'une table pour décider. Et puis on fait vote. Ouais. Il en manque un quand même pour le groupe. Hein. Non, bien sûr, mais il est pas là ce soir. Mais de toute façon, on va pas voter pour ce soir. Hein, mais je parle pas de ça là. À mon avis, ça, il va être anonyme, ouais, il va bah, de toute façon, on est tous d'accord ici, donc même s'il est tout seul, j'ai envie de te dire, on est 4 points. Non, mais voilà, non, mais bref, mais bon, de toute façon, il sera d'accord. Gambino, il est pas là, moi je pense que je vais lui tenir informé des activités. Ouais, tu l'envoies par mail, ouais. Qu'il ait Et il faudra qu'on se trouve un lieu où c'est le lieu où on décide des choses. J'ai petit. Bah, il y a l'appartement de luxe là, tu t'appelles là, l'appartement qu'on a trouvé. Ouais, exactement, on va vous emmener. Ah ouais, vas-y, go. Si vous voulez, on peut vous emmener. Bon, je suis rassuré par rapport à Marc, déjà. Ouais, carrément. Ah, tu sais que tu leur as fait peur, hein. Ouais, oui, mais j'ai pas eu le temps de parler, en fait. C'était hier soir, hein. Ouais, non, je sais, mais tu sais, ils te voient. Essaye de tenir informé à l'avance, même si tu dis, écoutez, si vous me voyez avec un tel, vous inquiétez pas. Tu vois, parce qu'après, directement, les doutes, pour le moment, ils ne connaissent pas assez. Ouais, je comprends. Moi, je te connais, j'ai confiance, tu vois, depuis le temps qu'on se connaît. Ouais. Mais eux, tu vois, ils sont encore dans la méfiance. Pour ce qui est d'Armando, c'est pas un... Il fait pas partie du grand banditisme aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça qu'il est un peu tout frais, tout nerveux, mais c'est normal. Ah oui, mais je comprends, c'est pour ça que je me suis pas énervé, sinon je serais énervé, mais... Oui, non, je comprends totalement, je me mets à leur place et tout, c'est logique. Après, c'est pour ça que le flic, quand il est venu me voir ou autre, j'ai rien dit, j'ai juste suivi son truc. J'ai dit, on verra et mais tout, je sais faire pas. Attention, pour le moment, on sait pas comment il a vrillé, on n'est pas sûr de White. Pourquoi il se retrouve dans la police après ça? Est-ce qu'il a pas passé un pacte, tu vois? En général, des grands bandits comme ça qui passent policiers, il y a quelque chose il y a un pacte derrière, il y a, tu vois, des dénonciations, Je pense faire attention dans un premier temps. Pour le moment, on se concentre sur l'organisation et derrière, on voit. On aura tout le temps de voir, de toute façon.
crois qu'ils sont bourrés. Ouais. Je vois où ils sont en train d'aller. Hein. Ouais, pareil. C'est là, ouais. Tu peux le mettre dans le garage, non? C'est jaune. Et voilà, la maison de mon oncle. C'est l'appart de qui? De ton oncle? Ouais, c'est mon oncle qui nous prête l'appart. Il est parti baiser les putes en Espagne. Ah, du coup, putain, il va laisser l'appart pendant quelques temps. J'ai laissé mon bonk sur la table, quoi. Ton bonk? Oh, c'est pas grave. Un petit peu de cheat, ça a jamais tué personne. Attends, vous voyez les gens ou pas les, en bas? Attends, je vais voir deux secondes. Est-ce qu'on peut vraiment les voir? Non, je vois pas. Ah, si, j'ai vu un véhicule passer. Si, si, tu vois les gens. Hein. Si, si, si. Ouais, c'est les vrais gens, ok. Tiens, là, oui, regarde, il y a un véhicule là. Juste là, tu vois les vrais gens. Ouais. C'est pas mal, vous l'avez trouvé comment l'appart en fouillant, c'est ça? Vous l'avez en fouillant? Ah, on l'a trouvé en se promenant, certaines choses. Ah, vache, il est grand. Je te vois ce que je veux dire. Ah, il y a trois étages. Et Danton! Oui. Ouais. Oula. T'avais dit qu'il s'appelait comment le mec? Faut que je regarde un petit truc. Sam Canu. Sam Canu. C'est ma chambre. Sam Canu. Ouais. Ok. Et là, il y a un petit coup informatique là. Si jamais on veut préparer des petites opérations, je pense que ça peut être un bon endroit. Quelqu'un a une bouteille d'eau en urgence, mais en mode extra urgence. Luc, donne-moi une bouteille d'eau. Ouais, moi c'est pareil, et en plus on peut pas aller, mais il faut que je rejette. Vous allez sûrement avoir besoin d'appeler les médecins pour moi. Go, on y va. Go voiture. Ah mais faut pas que tu vas dans une voiture, t'es sûr que tu vas tomber? Si tu tombes, toi, tu dois pas être dans une voiture. Eh, si tu tombes, faut pas que tu sois dans une voiture. Ah, j'ai pas le choix. Bah ouais, bah reste là alors, si t'es sûr, tu penses qu'on peut... Superette, je vais y aller à pied. Monte, mais non, elle est trop loin, viens en voiture au pire. Ouais mais pire, mec, non. S'il tombe, c'est fini pour lui hein. Bah non, faut qu'il conduise. T'es non, sûr? Conduis, comme ça on pourra te tège, mais oui. Ah, la dernière fois, on a pas réussi hein, fonce, on les attend. Fonce. Et si tu vois que t'es vraiment fini, sors de la voiture, ok? Voilà, j'ai tout petit cliquet de barre. Hein. Ah la vache. Hein. Oh. Je sens ma gorge, ça sèche. Mais en fait, j'ai eu un coma tout à l'heure et j'ai pas pensé à racheter boisson. En plus, elle est 60 000. Vas-y, sors. Je me demande à quoi ça sert le filet mignon. Je crois que ça donne plus à manger, non? Je pense. C'est là à gauche là. Plus à manger, bah ouais, c'est si c'est RP, t'as moins faim, c'est plus gros. Il va où là? Ça. Ils sont derrière nous avec la voiture blanche. La voiture. Super.
On est devant la villa, on attend que vous récupiez la voiture. Je sais pas. Ah, attends, tu leur parles à eux. Ouais, c'est sur radio, c'est comme ça, ils sont directement là. Putain, c'est la merde. C'est dommage quand même. Je me demande qui a été assez con pour laisser police voir les points, tout ça. Ouais, je sais pas. Je te dis, les gens sont pas assez prudents, ils demandent trop les trucs comme si c'était quelque chose de normal. Ouais. Ça va pas fonctionner dans la ville, hein. Si les gens marchent comme ça, ils vont se tuer tout seuls. Hein. Ah, tu sais, j'ai un endroit où pour mettre. Pour faire tomber. Hein. Un endroit pour? Pour faire tomber les gens. Hein. Ça s'appelle un ravin et un endroit bien pas mal. Hein. Ouais, ouais. J'ai même des petits endroits, des petits endroits ouverts là où tu peux aller dedans. Bah attends, tant qu'ils viennent pas là, j'en sais rien ce qu'ils sont en train de faire, mais je vais te montrer. Vas-y. T'as un petit garage. Tu peux pas rentrer les voitures dedans, par contre, tu peux effacer des cordes dedans, je pense. Ouais. Non mais là tu peux, c'est plus la même chose là quoi, donc ton Zaterno 704 en 6 heures, tu pouvais le faire avant-hier quoi. Là tu peux plus faire le... Il y a eu un update dans l'économie. Pour tout, t'es pas sûr que ça va gros? Putain, on est pas loin du gouvernement là. Ouais, ils ont trouvé une autre maison apparemment. Ah ok. Parce qu'il y en a plusieurs des trucs comme ça, de temps en temps tu fouilles, il y a des endroits où fouilles dedans, c'est ouvert. Ah attends, ouais, bah ouais, normal, c'est pour ça que je vais pas chercher. Wow. Ah ouais. C'est ta voiture ou tu l'as volée? Putain, j'ai complètement dérapé. Hein. Non, c'est ma voiture ça. Wow. Oh aïe. Putain, merde. Aïe. Voilà. Les relations, non, les relations à World Wipe, ça va pas être. Bah, après, le RP, c'est pareil, hein. Là, le RP, entre guillemets, ce qui est en train de se faire, ça crée des liens et ça crée des gangs, tu vois. Donc, après la Wipe, c'est toujours pareil. Ouais? Ok. Ils sont où? Ils font quoi là? Je leur demandais s'ils avaient trait. Je leur demandais s'ils avaient trouvé le vignoble. Ouais. Ils avaient fouillé le vignoble, ils m'ont dit que oui, apparemment il y a des. Il y a le point de cocaïne là-bas. Ouais. On a parlé de la mort RP de Peter Fragile. C'est qui Peter Fragile? Peter Pan? Ah, bon tof. Non, j'ai pas sur la radio là, j'ai pas envie. Alors je pourrais y aller, mais. Alors, je vais à la radio quand même. La radio, je vais quand même y aller à leur radio. Alors j'ai pris la radio sur la porte, on m'entend? Sur la porte à yes. Ok, parfait. C'est bon, j'ai la radio. Super. Allo? Ah, c'est bon. Tu m'amènes où alors? Là, je vais te montrer un garage. Un endroit okay. Où on pourrait faire. Il est tout dans la baraque. Emmener les gens qui nous emmènent. Okay. Comment? Aïe, il est tout dans la baraque. Ah, nous, on est au nord hein, de la ville. Vous êtes parti de la baraque quand même. Vous faites quoi? On va visiter.
Je vais lui montrer un garage que j'ai trouvé aussi. Bon, après, il n'y a pas full streamer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas full streamer. Après, c'est à toi de voir, hein. Tu sais, si t'aimes pas le RP GTA full streamer, ah ouais, bah fais pas du GTA RP. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de streamers. Ah, je kiffe les camions en Nutella là, je kiffe le Nutella. J'ai vu, il y a pas mal de camions ah, Nutella. Ah, moi aussi, putain, j'aimerais tellement en racheter encore, hein. Ça fait longtemps, j'ai pas mangé ouais. Ça. Attends, je regarde d'où c'est, je me rappelle plus exactement l'endroit. Marc, je pense que Tic, il va peut-être quitter la ville. Ah, pourquoi? Oh, je sais pas, je t'enverrai un mail. Ok, pas de soucis. Ça doit être de l'autre côté. C'est quoi ton mail déjà, Marc? Je vais vous envoyer un mail. MarcDanton@discord.com. Ok. Vas-y, je te récupère, j'ai trouvé, c'est bon. Ouais. T'es quoi, t'es dans l'entrepôt là? Je suis là où tu m'as déposé. Ok. C'est bon, je te suis, je te suis. Mais vous cherchez quoi en fait, vous deux? Je l'emmène dans un entrepôt, il faut qu'on en ait plusieurs au cas où. Et pourquoi on vient pas? Je vous ai un petit mail à Marco du coup, hein. Je vous ai envoyé un petit mail. Ok. Bah, on voit l'endroit où t'es, on arrive. C'est ici? C'est pas mal là, ici en fait. Ouais, t'as un petit endroit ici. Tu leur donnes le point, non? Aux autres, quoi. Ouais, aidez-moi. On voit l'entrepôt, on arrive. L'entrepôt? C'est celui-là c'est celui-là de l'usine de poulet, tu la connais déjà, je crois. Au nord de l'île. Vous êtes tout au nord, là? Ouais. Oui, tout au nord. Tu le connais pas, celui-là? On va en profiter, on va fouiller un peu la ville du nord, mais où, ma voiture? Passage. Oh, bah c'est peut-être le gars, il l'a récupéré. Hein. Salopard. Moi je vais checker des points pour le logiciel. Attends, deux secondes, je regarde juste les mails. Voilà. Je vais regarder ça, si pas de problème, de toute façon je tourne, je regarde s'il n'y a pas des autres. Alors, mail. Attends une seconde. Thank you.
Ah. Ah, je suis là aussi. Non. Ah. Excuse-moi. Pas de problème. Il y en a si ils savent si Gambino et les autres là qui étaient avec nous, les demoiselles, vont venir ce soir ou si ce soir. Je sais pas d'ailleurs, je sais même pas si elles sont avec nous ou pas, vu qu'elles nous ont filé la boule. Aucune idée, franchement là j'ai zéro idée. Hein. D'accord. Ah merde, ah oui, moi aussi critique pour l'eau. C'est pas figure. À droite là, t'as allé à droite là? Juste là, juste là. Alors Ludo, va falloir que tu m'aides là, va falloir que tu m'emmènes vite fait une supérette. Et d'abord à la banque. Ok, ok. S'il te plaît. On cherche le blanchissement. Pour information. Je crois qu'il y a tous les points par le blanchissement. Ouais, y a rien, hein, putain, c'est cette zone là. Hein. Ouais. Non, c'est possible d'aller dans une île. Les îles. Ouais, je sais pas. Étant donné que c'est que le blanchisseur qui nous emmerde, je vois pas pour qu'est-ce qu'il irait foutre sur une île. Hein. Ouais. Après, blanchisseur, c'est laver, c'est laver les linges peut-être. Hein. Un truc de lave-linge, un truc de lave-carreau, lave-voiture, lave... On peut peut-être laver l'argent comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, bah c'est ce que j'imaginais. Tu sais, j'avais même fait une technique, j'avais été chercher un bédo. Ouais. J'avais été chercher juste un bédo, je l'ai revendu. Et je suis parti laver ma voiture pour voir si ça faisait pas un système de blanchiment. C'est-à-dire que t'as de l'argent sale sur toi? Ou tu l'as acheté? Non, j'ai plus rien, j'ai moins 10 dollars sur moi d'argent sale. D'accord. Moins 10? Comment c'est possible? Oui, c'est. Je sais pas. Apparemment, je suis quelqu'un de trop propre. T'as pas de pièce quoi. Et attends, mais t'as tes 60 000, tu veux pas le mettre dans ta banque toi? Ouais, on va les mettre ça tranquillement. Parce que je sens que tu vas. Donc on a tous les points, à part le point du lavé quoi. Blanchisseur. Ouais. C'est le seul qui nous emmerde. J'ai vu une baraque en haut dans la montagne, on va aller voir vite fait. Ouais. Dans ce serveur là, t'as pas besoin de blanchissement. Tu l'as pas mis en rouge ta voiture? Bah y'a pas de choix de couleur sur celle-là, que noir. Noir et intérieur rouge. Attends deux secondes. Vas-y, t'inquiète. Ça pourrait être où le.
Tu peux voir cette baraque, elle m'intrigue bien, tu vois. Ouais, j'avoue qu'elle est belle. Hein. Je passe par l'autre côté. Du coup, tu pars là, tu vas dormir, Rando. On l'a pas entendu, hein. Ouais, je veux dormir là, excusez-moi, je vous dis. Ouais, bonne nuit, on passe très bien. Du coup, ça vous dit pas en se réunissant un groupe, non? Plutôt qu'être deux. Que je sois tout seul. Ouais. VG tout seul. Je check le Life Invader, là, on sait jamais. On pourra limite, s'il y a du monde qui travaille, on pourra limite attraper et les prendre à la remonte. Hein. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Hein. Pour l'instant. Le problème qui se pose, c'est qu'en ce moment, en fait, les gens qui font ça, c'est les gens qu'on a dans l'entourage, tu vois, qui travaillent légalement. Les autres, ouais. Je sais pas ce qu'ils font en ville, mais... Ou sinon, ils sont en groupe de deux. J'ai vu un mec, là... Un motard, là, il est tout le temps avec une espèce de ça, avec les grands guidons, là, de chauffeur. Ouais. Ah ouais, ouais. Et le mec, il est tout le temps avec un autre gars, ils sont deux. Ouais. Donc ça, c'est la baraque, elle a été fouillée, celle-là. On va aller foutre de l'essence, hein. Comment ça se passe avec ta femme? Ma femme? Quelle femme? Tu sais, la... Oh, la Sandro. Je sais pas. Oh là là. Je sais pas, elle est bizarre, hein. Elle m'a l'air de draguer tout le monde. Putain, wow. Mais regarde lui. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il est mort. Ciao. Il est seulement mort. Ouais, vous êtes tous les potes. On se rejoint. Ouais, on est vignerons, là. En fait, je vais pas te mentir. Je sais pas, j'arrive pas à la faire. On descend, on va aller à la banque au nord de la ville. Laquelle, la 7 sur 7? Ah, je te dis ça. Ou la 6 sur 7. Voilà, pour l'instant, on va aller au station service 1224. Ok, qui est juste en dessous de le truc militaire. Et après, normalement, on ira sur. La banque 2 sur 7. Mais là, déjà, on va aller. Donc station de service 1224 qui est à l'ouest, juste en dessous de le truc militaire. Yes, vas-y, j'arrive. Ouais, donc je disais, oui, elle a l'air de draguer pas mal de monde, hein, ce que j'entends dire d'elle. Après, je peux me tromper, mais enfin, attention pas. Ah bah, tu fais bien de me le dire parce que t'es pas le seul, hein, et c'est ça qui me fait peur, c'est que... Enfin, j'ai peur de me retrouver avec une infomane sur le dos, tu vois. Bah, une informatique et une infomane, tu peux l'avoir sur le dos, mais si tu lui fais ce qu'elle a envie, bah, elle ira pas voir ailleurs, tu vois. Si tu fais ça au moins 10 fois par jour avec elle, c'est bon. Ouais, oui, bah oui, mais bon, je suis être humain, hein. Sais-je que j'ai beau avoir 25 cm dans caleçon, merde, hein. Elle va avoir mal au bout d'un moment, nymphomane ou pas, hein. Voilà, super. Bon, retourne en ville. Du coup, tu es où là, Luc? On va à la banque. On se rapproche de la ville. Hein. Vous êtes où là? On va à la banque. On retourne vers la ville. Putain. La banque combien? Plus près de la côte là, tu sais. 2 sur 7. Je l'ai mis, 2 sur 7. Ouais, voilà, super. Banque 2. J'ai vu de la station essence là, sur la route. Faut pas la station essence, la station service quand tu descends en ville. Ok.
Bah j'ai une dent aussi contre les policiers, hein. Y a des connards, hein, je le dis. Genre, monsieur, genre Curtis, genre il était tombé, je crois qu'il a dû se faire écraser, il était en moto, il a eu un accident. Et donc tu sais, je prends les voitures et je protège son corps, tu vois. Et genre j'appelle les médecins et tout, et il y a le mec qui arrive, il est en train de dire ouais et tout, les mains en l'air, on va genre prendre vos positions. J'ai dit oui, pas de soucis, on l'a sauvé et tout, donc pas de soucis. Ouais, blablabla, et commence à m'énerver, donc j'ai pas envie de lui donner mon numéro, donc je donne un autre numéro. Qu'est-ce que vous avez foutu à la banque? Bah je vais rembourser mon argent. Ah. Mais il m'avait prêté de l'argent et je l'ai rendu. Il a oublié de le mettre à la banque. Mais Curtis, il m'a dit qu'il avait tendu avec ses collègues pas dans un moment. Ouais. Ah, je suis à la banque de 7. Ah, on arrive, on est à 1 km. Et donc là, je commence à lui dire non et tout. Je lui donne un numéro de téléphone d'un autre, il dit oh, c'est pas vous et tout. Et donc je donne le nom en plus du numéro de téléphone. Donc là, j'ai dû m'échapper, je suis parti. Et après, t'en as un autre, je suis avec un médecin. Et on va sauver un mec qui est blond là, le blond je crois, il s'appelle, c'est le blanc je crois. Et qu'est-ce qui se passe? On le sauve, enfin il se fait sauver par le médecin. Et genre 3 secondes plus tard, il nous arrête parce qu'on a grillé un feu rouge. Il se fout de ma gueule ou quoi, tu sais? On l'a sauvé, tu sais? Ouais. Oh, il a fait trop le relou. Alors lui, mon gars, à chaque fois, tu sais ce que je fais? À chaque fois, je le roule. Donnez votre fric! Oh! Donnez votre fric! Non, je rigole, c'est bon, ça va. Ça, j'étais surpris, putain. Ouais, je sais. Donc je disais, ouais, donc dès que je vois une voiture de flic et que je vois que c'est un relou, je leur crève les pneus et je me casse. Bon, du coup, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure pour les... Il y a 2 traitements de la coke, hein, il n'y en a pas qu'un. Ah bon? Ouais. Ah bon. Ouais, il y en a 2. Ça, c'est ce que je te disais, le traitement qui est au niveau des vignobles. Ah, il y a un traitement au niveau des vignobles? Ah, c'est ça, non? Enfin, un traitement, un point, non? Non, c'est la récolte qu'au niveau du vignoble. Le traitement, il est vers. Il est sur une île en fait. Sur une île tout à gauche, vous traversez la mer et tout, c'est la mer. Ah, tu vois, je te l'avais dit. C'est chiant. Tu vois, je t'avais dit île. Putain, tu vois, j'aurais jamais imaginé tout à gauche. Mais du coup, il nous en manque un. Et du coup, faut l'acheter. Et ça coûte 100 000. Oui, mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas le blanchiment, à quoi ça sert à rien d'avoir des points? Ouais, c'est ce que j'ai dit à Armando, il voulait acheter tous les points, mais je lui ai dit, ça sert à rien, on n'a pas le blanchiment, autant. Autant déjà chercher le blanchiment, une fois qu'on l'a, on investit, tu vois. Ouais, c'est la meilleure chose à faire. Parce que ça ira plus vite, genre on commence par exemple par un truc qu'on a tous, genre la mettre, je crois on l'a, ou la bœuf, peu importe, on se fait pas mal de fric dessus, puis comme ça on s'achète plus vite les points. Et si on allait au point que je vous ai dit là, où je les ai vus les deux là? Ah, j'ai... T'es allé? Enfin, on parle bien du même, au-dessus de la bijouterie, là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà été. Rien. C'est à faire l'ancienne infirmerie. Comment? T'as pensé à faire l'ancienne infirmerie? Ambulance là, médecin? Ah non, là j'ai pas fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est bah, attends, on va faire un petit tour au garage là, on va réparer. Ça vous dit pas? Ouais, on prend qu'une seule voiture, c'est rien. Ouais, déjà on va réparer. Tu mets le point? On va au garage du Nord là, ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais appeler un médecin avant parce que je suis pas très très bien. Donc laissez-moi juste 2 minutes. Ah. Oh pardon, excuse-moi. Bah, oh merde. Oh. Thank you.
comment on appelle un médecin en fait? Comment on appelle un médecin? Vous savez comment on appelle un médecin? Appelle médecin. Ah bon, j'ai? Ah non, mais en mangeant quelque chose, ça fonctionne pas, non? Ah. Peut-être on va acheter un filet mignon, peut-être c'est ça va. Y'a ma bouffe qui remonte plus. Ah bah ça tu dois revenir dire bonjour au docteur Lobby. Tu crois que c'est filet mignon? Vas-y on teste hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'es! Mais t'es complètement capable d'aller la réparer, voilà, t'as gagné du temps, voilà, super. Voilà. Je suis content. Pardon, madame. Ah bah bravo! Maîtriseau, putain. On va aller vite teinter hein. Ouais vraiment, il manque que ça hein. Putain mais ça t'amuse de péter les fenêtres de ma voiture là? Mais j'ai besoin pour tirer. Mais j'ai rien fait. Putain mais Ivan oh merde. Ivan il va encore gueuler là, à chaque fois je lui ramène des voitures pétées et le mec il pète un câble au bout d'un moment. Ouais mais y'a pas d'aération là, j'ai besoin de respirer. Ouais. Pourtant c'est clim, full clim dans voiture. Ah bah on allez, pas, hein. Hop, petit filet mignon, essaye, je pense que ça va le faire. Hein. Ouais, c'est. Ouais, tu m'as bien menti. Ça marche pas. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Filet mignon, ça me donne pas de muscles. Bah je voulais appeler un médecin parce que j'ai un peu mal. Ah ouais, on peut pas je crois. On peut pas appeler un médecin. Moi c'est pareil, je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Chaque fois que j'ai eu un besoin d'un médecin, à chaque fois que j'ai eu un besoin d'un médecin, je me rappelle plus ce qui s'est passé après. Hein. Ah bah comme par hasard. Ah c'est peut-être eux les médecins qui nous tuent. Hein. Et enfin ils nous mettent dans le coma. Hein. Ah, pas con. Vous avez vu ce qui vient de se passer ou pas, les gars? Non, il se passait quoi? Non, j'ai rien vu. Hein. Je me suis légèrement envolé. Vas-y, prends le volant, Marc. Je vois que tu veux conduire du bolide. Fais-toi plaisir. T'as vu, t'as vu le petit coin de... sur la voiture? Ouais, c'est bien. C'est super. Hein. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? Attends, je vais chercher point. Yo, Zeki, welcome back, déjà de moi ça fait plaisir. Je t'ai mis une champagne partout, c'est quand même assez pour le support de la part. Welcome, champagne family, bro. Ça fait plaisir. Mais je me demande si la blanchisserie c'est pas trop loin de la, du Comico, tu vois. Bah, j'y ai pensé aussi, tu vois. Je me suis dit, ça serait logique, tu vois. Ça serait plus. Ouais. Il aime bien le défi, le blanchisseur, tu vois. Ouais. On n'a pas fait le pay and spray qui se trouve à côté de... Ah, je sais, on n'a pas fait... Lâche-moi le GPS vite fait deux secondes. Attends, j'ai mis un point déjà.
Ouais, 600 mètres. Ouais. C'est là où on faisait le, le pain, dans non cette allée. Ouais, peut-être là où on faisait le pain. Attends, je vais te dire, c'est c'est pas très loin. Ah, là où on faisait le pain. Ouais, peut-être, je pense. C'est vrai que, ouais. Peut-être, hein. Merci à Fox Family, putain j'ai dit quoi? Welcome back to the Fox Family, Ziki, merci encore, ça fait plaisir. Ouais, pas très loin là. T'as l'espoir, j'ai. Ah ouais, bah, va au pénétrer si tu veux, vite. Là en face aussi. Ah, attends, en face là, y'a pas. Attends, laisse-moi aller fouiller en devant là. C'est la piscine. C'est une entreprise piscine quand même. T'as les voir ici là-dedans? Ah ouais, ici, attends, bah bon. On est chez Lester, on est juste à côté. C'est pour être où le blanchisseur quoi. Ah c'est relou ça, c'est long. Faut qu'on trouve le blanchisseur. Ouais. Pas sur mon point vite fait. Attends mais on va chercher quand même Mladen. Le pauvre. Oh on pouvait y aller sans. T'as vu c'est stylé la couleur rouge un peu sur le pare-choc. Le capot. Non, tu le vois pas. De quoi qu'est-ce que tu... Ah ouais, la petite peinture, c'est ouais. Un graffiti, quoi, c'est sympa. Ah, c'est pop. Ah, j'aime bien le style. Tu devrais faire le même à droite. Enfin, à gauche. Du coup, vous êtes où, là? Devant la piscine, là où on t'a laissé. Vas-y, va à l'hôpital. Ancien hôpital, voir. Je crois qu'il avait un point avant. On fait ce point-là et on fait l'hôpital. Non, mais tu vas où là? C'est pas là, non? Non, parce qu'il veut montrer. Il voulait aller à ce point-là d'avoir le dos. Et après, on va à l'hôpital. Oh, ok. Vous vous rappelez de la PLS? Quelqu'un a check dans leur bureau? Ouais, j'ai été fouillé, j'ai été fouillé. Il y a deux flics. Hein. Regardez à droite. C'est les quatre. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font? Oh putain, t'as niqué! Il est fou! Et complètement taré! Bon, au moins, on est sûr de lui, hein, non?
Alors, ah ouais, c'est l'ancien endroit de. Ok, je vois où c'est. Là où c'était la coke, là, c'était la. Ouais, on faisait de la coke là-bas. T'as déjà dû essayer de nous choper ici. Ah, j'en ai chopé ici en plus, hein. Ouais, mais vous étiez pas très doués les flics, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a, on s'en est fait des millions sur. Ah bah, ça je sais, hein, c'est. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Hein. Les policiers, ils étaient débiles. Hein. Même si t'es intelligent, c'est dur d'avoir des intérêts. Hein. C'est vrai. J'ai mis infirmerie, c'est bon. Ouais. J'attends ça pique. Mais après je serai moi sur la chaîne. Je vais te mettre un point, on va devoir ratisser toute cette zone, mais vraiment ratisser là pour le coup. Ok? Pas de soucis. Me dis pas que c'est les mines. La mine, tout simplement. La mine où j'ai été tout à l'heure? Le dépôt des mineurs. Je pense que ça serait au niveau des dépôts des mineurs. Le côté de l'autre côté de la rue du dépôt des mineurs, on sait même pas ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On n'a jamais regardé de l'autre côté de la rue. Au final, ça serait tellement de la provocation. Hein. Let's go. Là, on a plus beaucoup d'essence. Je vais aller chercher de l'essence parce qu'il n'y a plus d'essence là. Un gueule. Thank you.
C'est bon. Rocade, c'est vraiment la rocade. Là, j'ai vraiment y aller encore et j'ai attendu 4-5 heures pour la rocade et... Je suis allé revendre du pain d'avant. Il y a un garage à l'intérieur, il doit avoir pas mal de choses. De... Ah bah ça se voit pas. C'était où la revente du pain, je me rappelle plus. Juste à côté là, attends. Tu vois pas, attends. La revente du pain. Ah non, le traitement de pain, ça, non. Ah non, c'est la revente du poisson, pardon. Du pêcheur. Ah oui, oui, la revente du poisson, pas con. Ouais. Qui c'est qui relie l'ancien... Eh, vous avez testé l'ancien truc de diamant, là Bah c'est ce que je vais faire, c'est relier les deux. Les deux sont reliés dans le garage. Je vois ici, ce serait pas mal hein. Je cherche la le blanchissement. Le blanchissement d'argent. Ah bah la même idée. Ouais, ça se relie comme je t'ai dit. Hein. Ça se relie... Le diamant, ça, oui. Ça se relie tous les deux là, le revendeur de poissons et le revendeur de diamants. Ah, une ouche. Mais le blanchissement d'un objet, c'est. Il n'y a que le blanchissement d'argent. Il n'y a pas d'un autre objet ou autre, tu vois. Blanchissement d'argent, point. Après, le souci, c'est. Est-ce que l'action du blanchissement d'argent, il faut de l'argent sale aussi? Parce que peut-être qu'on est passé dessus et. Et on fait ça pour rien? Non, non, je pense qu'il te dit. Non, il n'y a pas besoin, sur la 100% ça. Je peux la mettre ma main au feu.
Enlève le point vite fait, j'ai une idée. Je pense quand même que le mec il aime la concurrence et qu'il a quand même foutu sa proche du comico ou proche de l'hôpital. Ouais, c'est sûr. Ouais, là-dedans. Je vais voir un autre marche, là. Tu sais qu'il y a vraiment tiré, il m'a dit, il savait pas où il était le blanchissement. Je pense que c'est près du comico, mais où, va savoir. Ici ça peut être pas mal ici. Ici ça peut être pas mal, hein. À côté du comico. Genre au-dessus là, ça serait pas mal ça. L'église du siècle. Non. Dommage. T'as garé où la voiture dans ton... Ouais, je suis à côté du comico. La donne, t'es où? Ouais, désolé, je cherche encore là.
quoi ce bordel là? Genre je tombe comme ça là. Alors que c'est si bas. Ah ouais, vous êtes comme ça. Vous ne croyez pas en moi. Je vois l'ambiance. Ah, je suis pas sûr qu'on trouvera le blanchissement. Je vais pas non plus passer toute ma soirée à chercher le blanchissement, même si j'aimerais bien l'avoir. Mais je pensais qu'on aurait pu avoir un peu d'aide ou des gens qui l'ont déjà, tu vois. Continue à chercher un peu plus au nord. Quelqu'un a été au Mont Chiliad? Pas de mon côté. J'ai mis où mon étage? Elle est où ma voiture? Allez là. Ouais, après le truc c'est que est-ce que c'est bien de chercher maintenant alors que ça va être wipe? Moi je vais juste prendre des pansements. Là contre vous. Merci. Vous êtes où que je viens de vous chercher? Ah, moi je suis plus au nord vers l'épicerie, plus vers le casino même. Okay. Moi je suis dans le comic, ouais. J'ai fait un petit tour dans les bureaux des policiers, on sait jamais, c'est dans le doute. Ah bah t'as raison. J'ai été voir au clodo là, attends j'arrive. Je t'attends dans le comico. Ah, je suis dedans là, je suis en train de fouiller. Ah,
j'ai déjà fouillé. T'as allé sur le toit? Ah non, par contre, j'ai pas été sur le toit. Du coup, s'il y a des flics, on fait quoi? Bah, on dit que. On dit que. On était perdu. Oh, oh salut là. Viens. Regarde, il y a celui-là aussi. Attends, tu le prends vraiment? Ouais, je l'ai reposé. Mais je sais pas comment on repose. J'ai jamais conduit un hélicoptère. Monsieur, arrêtez-vous. Ouais. Monsieur, qu'est-ce que vous foutez ici, là? Bah, j'ai entendu un mec avec un hélico, du coup, bah, je suis monté. Ouais, t'inquiète, je t'ai entendu, j'étais à l'hélicoptère. Oh non. Merde. J'ai pas envie de sauter, je pense que je meurs si je saute. Mais ils sont deux. Non, si je tombe, j'ai sûr que je meurs là, je pense. Non, c'est mort. C'est mort. Je peux pas sauter. Je sais pas quel endroit je peux sauter. Tout, eh, tous dans la radio, si les deux sont en bas. La merde, Bladen. Je sais pas si tu m'entends, mais on est dans la merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On était monté sur le toit du Comic-Con. On a fait jouer avec l'hélicoptère.
On est redescendu une. Et au moment où il descend, il y a. Le doute est devant moi, il s'est fait arrêter par deux flics. Et moi, je suis remonté dans le toit. Et là, je suis caché dans le toit. Et il y a deux flics qui courent sur le toit. Je crois qu'il s'est fait attraper. Moyen que tu te barres? Bah, je crois pas. Si je saute, je pense que c'est un peu trop haut, je crois. Je vais faire un repérage, j'arrive. Il y a ta voiture devant, donc viens comme ça pour. C'est vu qu'il y a ta voiture devant. J'arrive. Après, comme j'ai dit, je pense qu'il joue RP. Le flic qui est en face est RP, donc je pense qu'il m'a vu en tant que. Parce qu'il a, il a tourné de partout, mais il joue le jeu, c'est-à-dire qu'il fait semblant de pas me voir, peut-être. Ça, c'est du RP. Parce que je me suis caché ici et que j'ai la même couleur et tout, tu vois. C'est du jeu, tu vois, donc c'est cool, c'est plaisant. C'est moins haut peut-être. Oh non, si je pense que je meurs là. C'est trop haut, je crois. Oui, c'est le seul endroit, c'est là. Hein. Non, je prends pas un hélico. J'ai pas le droit de prendre un hélico, je pense que c'est interdit. Elle est où ma voiture? Elle est juste devant normalement. On te l'a volée? Elle était juste là où. Bah, y'a rien du tout. Ah, c'est peut-être les flics, hein, tu leur dis que t'as laissé la voiture ici et. Et ils ont dû te déposer, je crois. Hein. Tu rentres, tu dis oui, excusez-moi, j'ai laissé ma voiture ici pour vous parler et j'ai fait un tour avant et elle est plus là. Y'a personne à l'intérieur. Il doit être en bas alors, ils ont dû le coffrer. Hein. Y'a personne, donc c'est-à-dire que je peux. Oui, attends. Le problème c'est que le doux parle plus, c'est-à-dire qu'il est coffré lui. Attends, y'a un médecin là. Je pense que si tu sautes sur un camion, ça va le faire. Ouais, je pense. Attends, je de la droite là, vers le sud. Attends, mais tu regarde. Vers l'autoroute. Tu me vois là? Non, mais tu me vois là? Je vais te mettre un camion sur l'autoroute. Tu sautes dessus, attends. C'est bon. Oh, je pense pas. Hein. Je pense pas que j'arrive jusqu'à. Je pense pas que j'arrive jusqu'à l'autoroute. Hein. Si, je pense que si. Vas-y, hein, c'est parti, hein, à la wakball. Hein. Allez, vas-y, je te regarde. Ah oh. Bah, y'avait pas eu que ça. Vas-y, bah. Attends, mais il faut qu'on sauve le. Ah merde, il faut qu'on sauve le doux. Ah mais tu l'as... Mais ils ont dû voir ton matricule, non? Pour le dos là, parce que c'est la merde. Bah je sais pas, il faut qu'on entre à l'intérieur, qu'on le dise, non? Attends, je sais ce qu'on peut faire. Attends. On va dire qu'on a vu un mec sauter sur du toit. Monsieur? Monsieur Comic? Monsieur? Bonjour monsieur? Il y a un médecin là, et qu'est-ce qu'il fait le médecin ici? Ah, mais... Bonjour monsieur? Bonjour. Vous êtes de la force police? Non, les forces policières sont occupées en ce moment. Ils sont où? Ils interroguent un suspect. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous pouvez interpeller rapidement un policier parce qu'on a vu quelqu'un sauter du toit?
Et je l'ai reconnu, je crois. Ouais, c'est Sam. Non, 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 il était sur le toit et je crois qu'il s'est barré avec une ambulance. Ouais. Ok, attends une seconde, je vais contacter sur la red. Ouais, contactez-le, je pense que... Je crois que je l'ai reconnu. Hein. C'est Sam Canu, je crois. Pour le moment, il n'y a pas de policiers. Il répond sur la radio. Mais il est en bas, descendez, descendez, vous avez le droit d'aller descendre, je pense. Il y en a un là, regardez. Ah. Vous regardez. Monsieur ? Oh putain. Bah, allez-y. Vous avez sûrement le droit de franchir la porte, j'ai oublié. Toc 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 toc. Monsieur ? Messieurs, je vais vous demander de sortir du commissariat, messieurs. Ah, d'accord. On avait une information pour vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous avons vu sauter quelqu'un du toit. Hein. Enfin, on vous avertit de votre toit. C'était pas un policier. Vous avez vu quelqu'un sauter du toit ? Ouais. Oui, qui est sauter parti du avec toit. Une ambulance là devant. Ouais. L'ambulance qui était garée devant, il y a un gars qui a sauté du toit. De votre toit, alors qu'il était pas policier, je crois. Il est parti en courant. Et il rigolait, donc je sais pas. Mm-hmm. Oui, dites-moi. Donc je vous avertis, on donne l'information quoi, mm-hmm. On l'a vu à l'instant. Ok, c'est noté. Okay. Merci. Bah, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ça va. Non mais c'est pour appuyer en fait, c'est pour bah, appuyer. C'est lui, il cherche le blanchiment, il l'a dans les cheveux. Hein. Non parce que c'est le doux avant de se faire arrêter. Avant de se faire arrêter, il a dit oui, il y avait un mec au-dessus qui jouait à l'hélicoptère, donc vu que j'ai dit quelqu'un a sauté du toit. Donc je sais pas comment on peut faire. Attends, viens on prend le camion médecin et on l'éloigne. Le camion des médecins. On le laisse là. Attends, je vais t'y déposer. Ouais. J'ai des pansements si tu veux dans l'ambulance. Ah bon, super. Putain, ça m'énerve, j'ai cherché tellement de zones là, j'ai mal au crâne. Vas-y, viens. Viens juste dedans, derrière. Attends, on se met dans un coin. Tu rentres et il est sur la poids d'Akan. Oh, c'est bon, de toute façon j'avais pas grand chose besoin, mais pas de problème. Ok, parfait. Attends, y'a un endroit qui est pas mal ici. Celle-là. Oh! J'ai déjà fouillé. J'ai déjà fouillé. Ah bah bravo! J'ai déjà fouillé. Attends, j'ai boire. Ah! Un truc pour le doux, non? Ah. Là, tu veux faire quoi? Le problème, c'est qu'il encercle les deux policiers là. Ouais, on va l'attendre devant, je pense. Ah non, je sais pas. Y'a pas des conteneurs ouverts ici? Y'en a pas mal. Y'a pas un garage qui s'ouvre aussi? Attends. Comme ça, il va pas se faire punir entièrement, tu vois.
Il stream, je crois, le 2 en plus. Putain, le pauvre, il est en train de se faire. On a essayé de l'aider, hein. On lui a balancé l'information qu'il y avait quelqu'un qui a sauté du toit et tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je répète, je suis toujours sur Fatal 5. Je suis resté 4 heures ou 5 heures sur la rocade. J'ai pas pu rentrer, donc j'ai préféré jouer sur le serveur de la live, tout simplement. Voilà. Et dans quelques minutes, je bougerai sur mon sur mon Twitch. Ah, il risque pas grand chose, donc ça va. Quartier là, pas très loin, tu sais, quartier ouais. À gauche là, quelque part. Ouais, c'est à gauche là, plus loin. De toute façon, il y a des gens qui dorment dans les tentes. Ah. C'est gauche et droite là. Le coup de la droite, sur le coup de la gauche. Ah, on vient de chercher. Ouais. Ouais, bah j'ai eu un petit souci. Tu t'en es sorti dans ton. Ouais, sans souci, ouais. Mais on a essayé. Comment? J'ai sauté. Je me suis caché au début. Ouais. Et après j'ai sauté. Et après je suis revenu en disant monsieur, il y a quelqu'un qui a sauté du toit pour parce que t'avais dit que. Ah, pas bête. Toi. Pas bête, pas bête. Ouais, bah bon, ils m'ont mis un vol de véhicule dans les bâtards. Pourquoi vol de véhicule? Combien? Pour l'hélico. Enfin, tentative de vol parce que je suis revenu. Mais d'argent. 15 000. Tu leur dis, on peut le payer 4 fois. Par contre, il a un gros souci, Carman, il voulait me foutre une matraque dans le cul, hein. Il est complètement taré. Ah, Carman, on va s'en occuper, hein. Non, il est complètement payé, pas bien du ciboulot. Il est là, il est là, il est là. Pas bien, il a un souci. Je fais exprès, j'ai pas envie qu'il nous voit. Ah. Vas-y, viens. On se dire, attends, cours. On est derrière le Kumiko. À droite. Yes. Et c'était qui les mecs? Il y avait qui comme policier? Il y avait un brigadier, il y avait un Kerman et un autre, un jeune. Oula. Honnêtement, faut se concentrer sur cette zone. Je pense que. Voilà, là, il y a quelque chose. Je me demandais s'ils étaient pas en dessous sur les égouts. Ah non, ça a été fouillé les yeux. Entièrement parce que c'est grand. Ouais, mais normalement...
faire des trucs comme ça aussi. Et le métro, non? Pour moi, c'est, ça va être dans ce secteur. Après, je vois pas du tout. Je t'entends mal, Bladouille. Ouais, tu m'entends là? Ouais, mais t'es pas très fort. Ouais, je crois que tu dois élever un peu d'un ton. Je dirais même élever d'un ton. Oh. Parce que ta voix est doux. Comme le doux. Bah. Oh. Elle est bonne. Là, c'est le. Ouais. Mais sinon, vraiment, on essaie de voir où sont les gens et on les attrape. Hein. En attendant. On peut faire le tour des points, hein, éventuellement. Hein. On se change avant ou pas? Et on prend une voiture. Et après, on les attrape, on leur fait quoi? On les torture? Ouais, on peut les torturer. Bah, moi je comptais partir aussi. Ah, vous partez? Ok. Allez, y'en a qui staffent dehors de la ville demain. Ah, ok, bien. Regardez ces trucs là maintenant. Ah, ici, hein. Non, mais en fait, je suis pas sûr qu'il y aura des mineurs. Le problème, c'est que vu que ça va wiper, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas. Salut toi. Salut. Il y a pas mal de gens qui vont pas farmer pour rien en fait. Parce que. Il doit le reset. Je pense que les points de drogue vont être reset, je pense. Tout le monde sait. Super. Quel bruit comme ça. De quoi? J'ai entendu l'orage. Mais toi t'as. Ouais, t'as... Oh, il y a la. Oh, la belle voiture ça non. Je vais la prendre ça. La belle couleur. Oh baigné. Ouais, c'est pareil pour moi. Vous y allez? Ça marche. Ouais. Vas-y, ok. Pas de soucis, à demain. Ouais. Pas de soucis, à demain, les gars. T'as besoin de quoi que ce soit. Tu restes tout seul, fais pas trop de conneries. Hein. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez, ciao tout le monde. Bonne chance, hein, bon travail. Merci. Allez. Oh la vache.
Yo, Yaya Saline. Ah, mais la sub sur ma chaîne. Ah, non, mais j'ai... Vous savez quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne savent pas? Je vais tout simplement couper sur la chaîne de DLC et je vais revenir sur ma chaîne, les amis. Donc, je vous fais la bise. Je vais mettre aussi un petit coup de pub. Sinon, ça va pas trop bien, hein. Un petit coup de pub. Et on se retrouve sur ma chaîne, les amis. J'ai un petit peu continué, je pense, GTA, et après j'irai sur H1. Gambino, je sais pas s'il viendra Gambino ça. Alors. Allez, on se retrouve à toutes sur ma chaîne, les gars.